bien les murmures des grands chênes crapoussés. Toi seul peux les comprendre. Ils te guideront jusqu'aux rayons enchantés. Et grâce à eux, tu trouveras la vallée des crapauds. C'est trop dangereux. Ah oui, cette fois, on risque vraiment de finir en bouillie. Ça va pas, la tête? J'ai pas envie de mourir si jeune. Allez, les crapounets, c'est pas si dangereux. Oh, on pourrait peut-être faire le tour, hein, parce qu'on n'a pas le temps, Fleur Bleue. Faut qu'on arrive dans la vallée des crapauds avant que le passage ne se referme. Eh bien, dans ce cas, allons-y. Venez, les crapounets. Oh, j'y arrive pas, j'ai trop le vertige. Faut pas regarder, tu fais un pas après l'autre. Engagez-vous, qui disait. Il le rabasse. Vite, faut qu'on grimpe. Dépêchons-nous. Attention, il fonce droit sur nous. Attention. Allez, dépêchons. Laisse-nous tranquille, toi. Va te faire cuire un œuf et arrête de nous embêter. Pierre à bras, descends. Pierre à bras, attends-moi, j'arrive. T'étais obligé de choisir un buisson à picou. À l'avenir, eh ben, tu te débrouilleras tout seul. Oh, il s'en est allé. Quelle aventure. Eh, les gars, comme vol plané, c'était réussi. Personne n'est blessé. Oh, quel soulagement. Crapousset, on va où? Yeah. Attention! Oh non! Qui roule. Il doit être en train de dormir. Le pointeur est là, et je le vois. Chut. Où ça? Là, près du crépitant. N'y va pas, Crapousset, c'est bien trop dangereux. On peut aller le chercher, Fortiche, toi et moi. Qu'est-ce que c'était? C'est un grand pied. Attention! Oh, on le tient. Cette boule a l'air brûlante. Oh! Les grands pieds mettent de l'eau sur le crépitant. Pierre Bleu, sauve les feux, vite! Le tonnerre qui roule a dévoré les grands pieds. Viens, Fleur Bleue. Fleur Bleue.
que ça va? Tu as été très courageuse, Fleur Bleue. Oh, à partir de maintenant, il faut éviter les tonnerres qui roulent. Si on y allait, j'aime pas cet endroit. Traverser à toute allure, non? Non, on ne doit pas traverser le long ruban plat, tu entends? Jamais de la vie! Oui, c'est Prudence qui a raison. Il faut qu'on cherche un tunnel. Où est-ce qu'on va? Moi, j'ai une idée. On devrait se séparer et un des deux groupes trouvera sûrement le tunnel. Ça, c'est un bon plan, Jumeau. Tu vas arrêter de m'appeler Jumeau à la fin? Ouais, oh, j'ai vexé la demi-portion. On n'est pas des demi-portions! Je vais aller faire un tour dans l'autre groupe. Ils sont sûrement plus aimables. Waouh, c'est génial par ici. Mais qu'est-ce que vous attendez tous? Hey, Boniface, tu viens? La boue est toute fraîche, c'est tout doux. Fleur Bleue, on est supposé partir à la recherche d'un tunnel. Oh, fais pas ton empêcheur de s'amuser en rond. Il faut prendre du bon temps. Bon, d'accord, on va se détendre quelques secondes. Hé, hey, regardez, il est creux, le rocher. Wow. Vous avez dit creux? Creux? Est-ce que j'ai une tête creux, moi? Oh, un rocher qui parle. Oh, oh, oh. Tu es plutôt peureuse dans ton genre. Oh, un roseau qui parle. Vous n'allez pas rester là toute la journée. Je ne voulais pas vous effrayer. Désolée, on ne savait pas que cette mare était à vous. Elle est à nous. Je m'appelle Hera. Et le monsieur qui ne sort jamais de chez lui, c'est Mortimer. Autrefois, c'était une grande mare. Il n'y a plus beaucoup d'eau maintenant. C'était trop beau pour durer. Le barrage est l'œuvre des castors. On leur a dit de ne pas le faire. Eux et leur maudit jeu de construction. Vous essayez de trouver le rayon enchanté, n'est-ce pas? Oui, madame, mais il faut qu'on traverse le long ruban plat. Ce serait plus prudent de trouver un tunnel pour traverser. Et faites vite, ce serait dommage d'être changé en champignon de pierre si jeune. Oui, madame. Merci, madame. Ils sont minuscules, mais polis. Tenez, il est là. Quoi, le tunnel? Non, le grand chêne. Venez. Non, on n'a pas le droit de traverser le long ruban plat. Oh, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On va continuer à chercher un tunnel, puisqu'on s'était mis d'accord. Il ne faut pas rester ici, on est trop à découvert. Le rapace, nous sommes perdus. Les arbres sont trop loin. Qui peut? Hé, venez par ici. Pas mal du tout. Oui, en vérité, vous lui avez cloué son bec au méchant oiseau. Hé, hey, je sais, vous êtes un guide de tunnel. Oh, tu as deviné ça tout seul, je te félicite. Tu as un vrai cerveau, il y en a là-dedans. Non, le cerveau de la bande, c'est le jumeau. Il est plus intelligent que nous tous. Oh, moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais un cerveau. T'as vu comme il se vexe? Tu as dit jumeau, il faut que t'arrêtes de me traiter de jumeau. Allez, venez les crapounets. Il
ne faut pas s'arrêter. Si vous vous arrêtez, vous êtes perdu. Par tous les astres. Allez-vous-en, allez! Mais vous savez sûrement où se trouve le passage enchanté? Je n'en ai pas la moindre idée. J'ai quitté la vallée des crapauds il y a environ... Il y a plusieurs saisons. Oui, c'est cela. Oui, le doyen des guides du tunnel de la forêt, c'est moi. C'est comment, la vallée des crapauds? Tu verras bien quand tu y seras. Il faut d'abord trouver le rayon enchanté, bien sûr. Et là, c'est ça le plus dur. On est arrivé. De l'autre côté. Allez, maintenant, allez donc retrouver le grand chêne. Et regardez, il ressemble au chêne de l'autre jour. Avec un peu de chance, on va comprendre cette fois. Allez-y, je vais attendre les autres. Oh, ne t'en fais pas, petite. C'est à moi de leur montrer la bonne direction. Merci. Je ne fais que mon devoir. Sous la route, il y a des tas de tunnels. Sous la route, il y a des hirondelles. La meilleure façon de sauter, c'est de lever les genoux bien hauts et de se boucher. Il est un peu sonné, hein? Et là, j'ai tout entendu. Il a dit qu'il fallait qu'on fasse un choix entre notre cœur et notre tête. Génial, c'est clair comme de l'eau de roche. Pourquoi les chaînes disent pas les choses clairement? Ça veut peut-être dire qu'il faudra qu'on renonce à faire ce dont on a envie. Eh, si on retournait attendre les autres? Regardez, le ciel bleu. Le ciel bleu devient tout sale. Il se passe des choses bizarres. Ça sent le feu de forêt. Le feu de forêt? Oh! Le feu! Il arrive droit sur nous! J'y suis pour personne. Sors de là, Mortimer! Ouah. Sors de ta carapace! La forêt brûle! Il faut faire vite! Elle est drôle, comme si une pauvre tortue pouvait aller vite. Monte au barrage des castors. Et toi, où vas-tu? Je vais prévenir les crapounets! S'ils reviennent ici, ils se feront piéger par l'incendie! À nous deux, Mortimer. Montre de quoi tu es capable. Bravo, t'es un champion. Faut pas pousser! Des petites foulées, faut pas s'arrêter. N'allez pas trop vite. Mais qu'est-ce qui se passe? L'incendie arrive, il est très dangereux. Il faut qu'on retourne là-bas et qu'on avertisse les autres. Quoi? Ne soyez pas idiots. Vous n'êtes pas assez grands pour affronter un incendie. Et les autres... Ils sont peut-être pris au piège. Ils ont peut-être besoin de nous. Nous y allons. Et personne ne nous en empêchera. Oh? Les crapounets, écoutez-moi! Vous ne pouvez rien contre le feu, c'est lui le plus fort. Hein? Les patriarches! Ça va aller, mon chou, vous êtes hors de danger, par ici. Et vous pouvez me dire où vous allez? Nous devons retrouver Fortiche, Fleur Bleue et Boniface! Ils ne sont pas là, c'est moi le dernier, il n'y a plus rien entre les flammes et moi. J'ai essayé de leur dire tout ça. Écoutez-moi, crapounet, les autres sont peut-être en sécurité de l'autre côté du rideau de feu. Vous ne pourrez rien faire pour eux. On va y aller, vous pouvez pas nous arrêter. Réfléchissez un instant. Je sais ce que vous ressentez, mais réfléchissez, soyez intelligent, utilisez votre tête. Oh, le grand chêne, il nous a dit qu'il faudrait choisir. Choisir quoi? Il faut qu'on parte aider les autres, oui ou non? Je n'en sais rien. Je ne sais pas quoi décider. Il fait de plus en plus chaud. Continuons. Je pense qu'on n'est plus très loin. Attaque aérienne, sauf qui peut. Oh, vous voilà. Hera? Mais que faites-vous ici? Je suis venue vous sauver, pauvre crapounet. Vous vous dirigez tout droit vers le feu. Ah, c'est ça qu'ils sont si mauvais? Qu'est-ce qu'on fait alors? Il faut qu'on retrouve les autres. Et comment? Il suffit de demander. Montez. Je sens déjà que je vais avoir le vertige.
voulez tous partir à leur recherche. Évidemment, c'est la première chose qu'on a envie de faire. Mais en grandissant, vous verrez que la première idée n'est pas toujours la bonne. Mais ils sont peut-être en danger, monsieur. Oui, mais vous ne pouvez rien y faire, vous. Il n'y a rien à faire, je t'assure. Toi, ils t'écouteront, Prudence, si tu leur parles. J'ai peine à croire que tu veuilles vraiment mettre Crapousset et les jumeaux en danger. Et si j'y allais, avec Pierre à bras? Et si vous ne revenez pas, qui les conduira à travers la forêt? Qui les aidera à trouver leur rayon enchanté? On reste ici. Mortimer, où est Mortimer? Il est en sécurité au barrage. Justement, on y va. Youpi! C'était pas une brillante idée. Je n'ai plus aucune dignité. Regardez, voilà Mortimer. Et il a des ennuis. Il n'y arrivera jamais. Oh, je n'aurais jamais dû le laisser tout seul. Est-ce que ça va, Mortimer? Non, je suis tout retourné. Ce serait pas si mal si j'avais un bon livre. Venez, les gars. Le barrage est à deux pas, Mortimer. Dépêche-toi. J'aimerais t'y voir. Allez, vas-y, Mortimer. Tu peux y arriver. J'ai presque. Allez, vas-y, Morty. Morty quoi? Il déteste qu'on l'appelle Morty. Que faire? Il faut que l'eau s'échappe du barrage. Oui, elle éteindra le feu. Boniface, allons-y. Mais comment naît le feu? Quelquefois, il commence quand la foudre éclate dans le ciel bleu. Mais la plupart du temps, ce sont les grimpiers. Ce sont eux qui l'allument. Pourquoi? Je ne l'ai jamais su, mais ce qui est étrange, c'est qu'ils reviennent, et puis ils l'éteignent. La fumée épaissit de minute en minute, il faut s'en aller sans tarder. Tout est ma faute, les grands chênes, si je les avais mieux compris. Non, Crapousset, il ne faut pas te faire de reproches. Interpréter le message des grands chênes, c'est dur pour un crapounet, c'est une tâche ardue. Oui, mais je crois que ce qui est encore plus dur, c'est d'être un chef. Tu vas y arriver, Mortimer. Escalade le barrage. Ouais, j'essaie, je ne fais que ça. Ça va prendre des journées entières d'enlever tous ces bâtons. Non, non, regardez. Je crois que n'y arriverai pas, Hera. Tu te décourages trop vite, comme d'habitude. Tu sais que je déteste ça quand tu te décourages. Est-ce que tu aurais une objection à ce que je qualifie cette situation de préoccupante? Il est coincé. On peut peut-être le dégager par l'autre côté? Bonne idée! Très intéressant comme expérience. Et c'est pas fini. Fermez la bouche, conseil d'amis. C'était très amusant, ce serait bien de recommencer. Pas aujourd'hui, Mortimer. Et c'est moi qui suis supposé être Pantouflard. L'eau a éteint le
le feu. C'est vous les crapounets qui l'avez éteint. Je vous remercie. C'est grâce à ça. C'est pas étonnant. C'est un marteau en bois de chêne. Un quoi? Un marteau et il est en bois de chêne. Moi, je vais me le garder pour toujours. Allons chercher les autres. Ils doivent être très inquiets. Il est temps de reprendre la route. Est-ce que toute la forêt va être détruite? Non, les grands pieds vont bientôt éteindre le feu. Jamais on ne les reverra. Ne perds jamais espoir. Il faut avoir confiance. C'est possible. Au début, je croyais que ces crapounets n'arriveraient jamais à trouver le rayon enchanté. Mais à présent, je n'en suis plus sûr du tout.